Bonjour, mon nom est Martine Lacasse et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien, je vous invite à visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca. Aujourd'hui, je souhaite donc vous parler de trois aspects, trois outils puissants, fantastiques pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Alors, il s'agit de vos ressources. L'idée m'est venue ce matin parce que j'allais me promener en... Moi, j'habite en campagne et puis je suis allée marcher ce matin dans la nature et puis je me suis dit comment ça se fait que je ne le fais pas à chaque jour alors que cette ressource-là est disponible pour moi facilement accessible. Et voilà donc le sujet de ma capsule d'aujourd'hui, vous amener à réfléchir sur les ressources que vous avez et les trois aspects des ressources qui sont disponibles pour vous, pour vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs, les objectifs que vous vous fixez, les rêves que vous voulez réaliser. Alors, premièrement, je vous invite à regarder dans votre passé les ressources que vous avez utilisées. Est-ce qu'il y en aurait là-dedans qui pourraient vous être utiles encore aujourd'hui, qui pourraient être réutilisées donc? Alors, regardez dans votre passé, c'est possible qu'il y en ait qui soient encore efficaces puis que vous ayez délaissé. Deuxièmement, est-ce qu'il y a dans votre entourage des personnes qui peuvent agir comme ressources, soit par leurs idées, par leur vision, par leur influence, par l'inspiration donc qui vous transmettent? Mais aussi, est-ce qu'il y aurait des gens dans votre entourage qui ont déjà développé des outils et des méthodes qui pourraient vous être utiles aujourd'hui même? Alors, s'il y a des choses qui sont déjà développées et disponibles, pourquoi ne pas les utiliser? Troisièmement, est-ce que près de vous, il y a déjà des ressources que vous avez de disponibles, exemple dans votre ordinateur, sur le web, des choses que vous aviez déjà pensé faire que vous n'avez pas encore utilisées? Est-ce qu'il y a des techniques, des modèles déjà établis pour vous que vous aviez sous la main puis que vous avez tardé à utiliser? Alors, voyez-vous, ces trois aspects des ressources qui peuvent vous aider, puis peut-être que vous ne les utilisez pas présentement. À votre, puis c'est pour votre propre bien, en fait, hein, c'est pour atteindre les objectifs que vous vous fixez, puis qui vont vous apporter de la joie encore plus, un pas de plus à la fois. Alors sur ce, bonne observation, et puis donnez-moi-en des nouvelles. Est-ce que vous avez ressorti du fond des boulamites de nouveaux, en fait, des vieux outils qui vous avaient bien servi dans le passé? Vous avez décidé de ressortir et puis de remettre actif dans votre quotidien. Au plaisir! Bonjour!